Mesdames et messieurs, bienvenue pour ce tout premier show de Proximus Pro League. On est juste avant le début du championnat avec quelque chose de très intéressant, ouais. Les matchs préliminaires, mon cher Xavier. Bonjour Xavier. Bonjour Guillaume, comment vas-tu aujourd'hui? Ça va très très bien et toi? Oui, ça va pas mal. Évidemment, je le rappelle, pour tous ceux qui ne connaissent pas encore Xavier, c'est le fondateur du site Foot with Apéro. Ouais. Qu'est-ce que tu fais autour de FIFA? En fait, je relais un petit peu toute l'actualité de FIFA, donc de manière générale, si tu veux ne rien rater sur FIFA, n'hésite pas, c'est pas plus compliqué que ça. Exactement, un grand analyste voilà. Que j'ai en ma présence avec Xavier Izzy. Qu'est-ce qu'on va faire exactement aujourd'hui? Ce sont des matchs d'exhibition, ouais. Des matchs de préparation. On va vous donner envie de suivre la suite de cette compétition. Et le premier match qu'on va avoir l'occasion de commenter, ce sera déjà du 2 contre 2, je vous ouais. préviens. On reviendra sur toutes les modalités pratiques, mais je vous fais déjà un petit topo. Anderlecht contre Leuven. Et c'est quoi la petite spécificité, mon cher Xavier? Vu que ce sera des petits 2 contre 2, toi, il y aura toujours le e-player et un joueur du noyau A de l'équipe qui vont jouer en 2 contre 2. Donc ça peut être vraiment sympathique de voir un petit peu les styles de jeu, les différences de niveau entre les e-players et les joueurs pro du noyau 1 du club habituellement. Absolument, et vous avez vu leur nom sur votre télévision ou peu importe l'endroit où vous nous regardez actuellement. Vous avez vu Zakaria Bentato, représentant d'Anderlecht, ça fait maintenant beaucoup d'années, 4 ans minimum. En tout cas, il était là à chaque saison de la Proximus Pro League pour représenter son club. Et face à lui, justement, un tout nouveau, justement la présence de Reynolds Coles, Eonel, son pseudo dans le jeu de manière générale, et qui fait très très régulièrement des 30-0 en Foot Champions. Autre spécificité qu'on n'a pas encore spécialement relevée, c'est le mode de jeu. Si vous avez suivi un petit peu les Proximus et Pro League précédentes, déjà merci de nous suivre depuis si longtemps, et deuxièmement, vous savez que ça se joue en mode 85. Qu'est-ce qu'était déjà le mode 85 de base? Avant, c'était un mode 85 où il y avait beaucoup de choses sur le joueur qui était figé, pour avoir toutes les mêmes stats, mais cette année, surtout, c'est que le mode 85 s'est transformé en mode 90 sur FIFA, donc, et c'est encore plus figé, donc il y a vraiment juste la taille des joueurs qui change, que tous les joueurs, hormis les défenseurs, auront 5 étoiles de geste technique, auront 4 étoiles de mauvais pied, alors qu'avant, les étoiles de mauvais pied, justement, c'était une spécificité, qui faisait par exemple que Bruges était une bonne équipe ou autre. Maintenant, tout le monde va avoir 4 étoiles, donc ça va être un petit peu plus homogène dans le niveau des équipes. Bien sûr, faisons même un rappel très général pour ceux qui nous suivent ici et qui n'ont jamais entendu parler de la Proximus Pro League. C'est le championnat de Belgique basé sur FIFA 21 où chaque club belge a un joueur qui s'affronte. Ici, ce sera le cas. Chaque club belge a un joueur professionnel qui fait partie d'un championnat plus général. Et comme tu l'as dit, par rapport au mode 90, c'est un mode dans le jeu qui permet de figer les statistiques par rapport à votre poste. Par exemple, tous les ailiers droits auront les mêmes statistiques, tous les milieux de terrain offensifs centraux auront les mêmes statistiques, tous les défenseurs centraux auront les mêmes stats, mais la grosse différence, tu l'as souligné, c'est que là où avant on avait quand même une légère différence en la présence, par exemple, des étoiles des mauvais pieds qui changeaient, la taille ça n'a pas changé également, mais la taille changeait en fonction du joueur. Ici c'est fini, les mauvais pieds c'est stable, ça ne change plus, et les gestes techniques avant étaient limités à 3 étoiles, c'est-à-dire ça limitait le nombre de gestes que l'on pouvait faire. Si ce n'est plus du tout le cas, vu que tu peux le rappeler, les attaquants en milieu, si je ne me trompe pas. Ouais, attaquants en milieu, ils sont à 5 étoiles, voilà, justement. Et les défenseurs latéraux sont à 4 et les centraux à 3. Exactement. Ouais. Et donc, ça va nous donner un florilège, probablement, technique. Comme je le rappelle également, ce sont des matchs d'exhibition. Ça ne compte pas pour la compétition. Et là, on va pouvoir revenir à, justement, l'intérêt de ces matchs d'exhibition, du 2 contre 2, avec à chaque fois des joueurs professionnels des clubs respectifs. Un joueur professionnel d'Anderlecht et un joueur professionnel de Louvain. Vous les reconnaissez, vous les voyez actuellement à votre écran. Sambi Lokonga pour Anderlecht et Thomas Henry pour Louvain. Ouais. Et on voit qu'ils jouent tous les deux à 4-2-3, hein, alors que c'est vrai que sur FIFA 21 on voit beaucoup de 4-4-2, mais bon, ici c'est peut-être un peu plus la prudence. Absolument. 4-2-3. Alors, peut-être que c'est important de le souligner également, il n'y aura donc aucune différence entre les équipes, à part les différents postes qu'ils pourront avoir et la taille des joueurs, ce qui veut dire que
on devrait assister à une compétition qui est équilibrée. Ce n'est pas par exemple parce que le FC Bruges a des meilleures statistiques dans le jeu de base qu'il aura des meilleures stats maintenant. C'est vraiment l'idée, c'est de proposer un équilibre. Et comme vous pouvez le voir sur votre écran également, les statistiques sont anodines pour tous les joueurs. Ça prouve bien ce qu'on vient de vous dire. Et on voit du côté d'Underdog que Sambi vaut également. Du côté de Louvain, je ne sais pas si son joueur est également sur le terrain, si Thomas est également sur le terrain. C'est une bonne question. Mais c'est une bonne question jouer, posée. Ah ben voilà, en pointe. Oui, voilà, tout à fait, en pointe. Le BU, c'est... On aura l'occasion évidemment de vous présenter tout ça pendant ce match, mais on a fait une petite recherche pour connaître un peu mieux leurs statistiques de base dans le jeu. Donc de temps en temps, je vous ferai une petite anecdote là-dessus. Si vous ne connaissez pas, par exemple, les joueurs pro, bon, je me doute que la plupart d'entre vous, le doute pourrait plus venir du joueur e-sportif, à savoir Zakir Amitato et Lionel, que les joueurs pro, mais on aura l'occasion de vous les décrire un petit peu tout au long de ce match. Au niveau purement pratique, c'est 6 minutes, si je me trompe pas, par période. Donc on aura des matchs d'environ 15 minutes et ça ne devrait pas changer tout au long de la compétition. Voilà, je pense qu'on a fait un petit tour de toutes les informations pratiques que vous devez connaître par rapport à ça. Anderlecht contre Leuven et l'occasion déjà de peut-être un peu mieux décrire les joueurs e-sportifs parce que c'est probablement eux qui vont essayer de faire de leur mieux et qui vont le plus montrer leur niveau dans ce match d'exhibition. Zakir Mentato, il a donc participé aux compétitions précédentes, on l'a dit. Il a fini avec 7 points dans les playoffs précédents. Ça veut dire qu'il passait en quart de finale, mais il s'est échoué finalement en quart de finale de cette Proximus Pro League précédente. Et face à lui, c'est un tout nouveau, je vous l'ai Mais dit. il faut aussi rappeler que Zach, l'année encore avant, il a quand même fini vice-champion de Belgique. Oui, absolument. Et c'était un très très grand match contre Shadow Quentin Van de Wattin. Vraiment, c'était une excellente confrontation et vous avez encore l'occasion peut-être je ne sais pas si c'est encore disponible pour le revoir, mais en tout cas, c'était vraiment extraordinaire et ça a été un plaisir de commenter à l'époque avec Quentin et tu étais analyste sur C'est plateau, ça. Xavier. Encore les choses changent un petit peu. Nouveau match donc lancé. On n'aura pas l'occasion de savoir qui contrôle qui, mais on devrait peut-être pouvoir le deviner au fur et à mesure. Attention quand même qu'en général, les joueurs Ben pro. ouais, Zombie, je pense qu'il a le curseur bleu. Ah bon? Ah oui, Ouais, ça se voit aussi un petit peu dans la voilà. webcam. Tout à fait, Par bien contre, du vu. côté de Louvain, ouais, le rouge, ça doit être Lionel. Absolument. Ok, Effectivement, tout à fait bien vu. Sauf qu'on ne verra pas la différence des curseurs par rapport sur l'équipe adverse. On ouais. prend à chaque fois un flux venant d'une PlayStation pour la petite histoire. Allez, justement, concentrons-nous un petit peu sur ce match. Avec maintenant, c'est Jolival pour Bazer. On va chercher Mercier. Merci maintenant, merci toujours. On contrôle bien ce ballon. La défense, elle est quand même relativement solide. On sait bien qu'il ne faut pas trop se jeter avec des défenseurs centraux. Encore plus en mode de Nantes, en sachant que la rapidité est quand même assez importante sur FIFA. De manière générale, ce centre qui vient arriver au point de pénalty, qui va être arrêté sans trop de problèmes par Van Krombrugge. Bien réalisé. Première action relativement dangereuse de ces débuts de match. Surtout qu'enfin on parlait de la défense mais en mode en coopération comme ça 2 contre 2 c'est vraiment évident puisque ben ton coéquipier vers l'autre défenseur alors que d'habitude il se place plus ou moins automatiquement et c'est vrai que ça peut vite créer des trous en défense sans vraiment le vouloir. Et pendant ce temps-là, justement, c'est Thomas Henry lui-même dans le jeu qui, pour l'instant, tricote un petit peu et nous propose de jolis gestes et techniques, récupère le ballon avec un petit contre favorable et aère un petit peu le jeu sur les ailes maintenant, sur l'aile gauche, avec Mercier. Merci encore, le drag back arrêté. On va conserver ce ballon encore une fois. Vraiment, ça a l'air très caractéristique du match qu'on va avoir bientôt. Une défense d'Anderlecht qui est plutôt regroupée dans son rectangle, qui attend, qui ne fait pas l'erreur de se jeter pour laisser des profondeurs. Et comme je vous l'ai dit, c'est, je pense, là que va se jouer la majorité de la confrontation. Ce que je voulais vous dire également, c'est donc qu'il ne faut jamais sous-estimer les joueurs professionnels de foot dans FIFA. Ils ont tendance à énormément jouer à la simulation jeux vidéo ludique. Donc, très très clairement, ne les sous-estimons pas. Ils ont peut-être même un meilleur niveau, qui sait, que les joueurs e-sportifs. Bah c'est vrai qu'ils ont souvent l'habitude de s'entraîner, pas de jouer justement entre les entraînements et tout ça avec ben les autres leurs autres coéquipiers. Donc c'est vrai que souvent ils ont un niveau un peu sous-estimé. Tout à fait, Sardella, Kylian Sardella. On va chercher les droites maintenant, on revient vers les... Ah, c'est bien vu ça de la part d'Enmecha. Peut-être le tir d'Enmecha. C'est le premier but. On arrive à rentrer dans le rectangle avec un peu trop de facilité peut-être. Et on vient tirer premier poteau, le gardien qui ne peut absolument rien faire. On revoit ce tir. Excellent. 1-0 pour Anderlecht dans cette confrontation d'exhibition. Et première occasion, premier but. Hein. Et oui, mais C'est c'est vraiment aussi ça. simple que ça. C'est aussi simple que ça. Il va falloir réagir du côté de Louvain. Sachant que, je le rappelle encore une fois, ça n'aura aucune incidence sur le vrai championnat qui arrive très 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 bientôt. Également, ça n'aura vraiment aucune influence, donc pas de souci
pour justement ces deux joueurs, pour l'instant les deux joueurs e-sportifs des deux clubs respectifs. Murillo, chercher Aetel Hadje pour Kana. On a vu la profondeur qu'il pouvait peut-être te lancer sur l'aile gauche. Tu l'avais vu aussi. Ouais, mais je pense qu'il essaie vraiment de. Il mène 1-0, donc c'est pas forcément à lui de faire le jeu. Donc il a pas envie de prendre de risques. Il préfère faire une passe en retrait et garder le ballon plutôt que tenter la passe en profondeur alors que justement il mène au score. Donc il a pas besoin de prendre d'énormes risques. Absolument. Elmecha, on en parlait, le buteur pour l'instant. Ça va être récupéré avec Martens maintenant. Martens pour. On a tenté d'aller chercher Henri en pointe, mais sans succès malheureusement. Amuseux. Amuseux toujours, on tricote un petit peu, la jolie feinte, cette passe en profondeur pour Sambino Konga, double contact, jolie profondeur, très très jolie profondeur là pour aller chercher l'espace, mais on est bien contré, on a bien défendu, cette fois-ci du côté de Louvain. Corner, corner joué, encore une fois au point de pénalty, personne pour récupérer ce ballon malheureusement du côté Anderlechtois. Amuseux, les quadruples, passement de jambes, c'est bien joué, on s'ouvre la porte et il a fallu un très très bel arrêt du côté de Louvain, d'où encore une fois les passements de jambes, la première Roqueta qu'on voit. Depuis le début, et Dieu sait qu'il y en aura beaucoup, je pense. Je pense c'est vraiment un geste qui fonctionne vraiment très bien sur FIFA 21. Oui, mais... Absolument. Un peu comme sur FIFA 19, je pense, oui. Il y a deux ans. Pour ceux qui connaissent les références, à l'époque des tornados centres, notamment, c'était une époque. Ça nous fait même peut-être presque plaisir qu'elle soit partie. Attention à cette récupération du gardien très importante de contrer ce ballon. On va chercher Kana. Alors, il y a beaucoup beaucoup d'espace là, c'est du 4 contre 4 offensivement. Hein. Mais c'est bien récupéré, très très bien défendu du côté de Louvain qui va devoir faire un petit peu tourner pour réouvrir l'espace, Xavier. Ouais, mais c'est vrai que c'est un petit peu le mauvais choix du côté d'Anderlecht là. Pour, ils étaient quand même à 4 contre 2, je pense, donc c'est délicat de perdre le ballon. Absolument, joliment fait cet enchaînement de râteau, puis une petite prise de vitesse. On a tenté de chercher la passe en retrait, c'est très très fréquent ce genre d'action. Oh la tête, attention, ça va peut-être revenir dans les pieds. Non, finalement, c'est récupéré. Avec un petit peu de réussite, parce que pour le même prix, ça rentrait, on a tenté un petit... Ah, ça aussi, c'est un geste technique qu'on va voir souvent. Je l'aime beaucoup d'ailleurs, j'ai trouvé... Il a été facilité, non, ce coup-ci. Le sombrero, je pense que c'est... Il a pas forcément été facilité, mais c'est juste que c'est plus compliqué de défendre dessus. Oui, c'est plus ça. Dur de récupérer le ballon, donc effectivement, certaines personnes en abusent peut-être même un petit peu. Oui, de manière générale, quand les ballons sont levés, sont difficiles à récupérer défensivement, donc ça peut... On peut un petit peu jouer là-dessus, c'était pas mal joué quand même ce genre de triangle proposé du côté d'Anderlecht. On sent quand même que Louvain est un peu mieux placé défensivement, plus réactif, et ça pourrait changer un peu la physionomie du match après ce premier but. On se décourage pas, on reste concentré, et là ça joue pas si mal, on a même passé un petit pont, et avec un petit peu plus de chance, on aurait pu même continuer sa course face au gardien. On a quand même l'impression que Anderlecht mène, toi, mais que dans le jeu, que Louvain essaye de se créer un peu plus d'occasions, enfin... On dirait que ça crée quand même des occasions, mais t'as quand même l'impression qu'il y a un petit quelque chose en plus du côté de Louvain, non, j'ai l'impression qu'on dirait que t'es bloqué à la ligne des 25 mètres, voilà. Et on cherche énormément les profondeurs, ça a marché deux fois, il y en a une où ça n'a pas été concrétisé, mais ça a marché deux fois, et je pense que de manière générale, c'est ce qu'on recherche, plutôt des opportunités de contre, donc ça va peut-être être encore une belle preuve de ce que je dis, voilà, typiquement, mais cette passe en profondeur, elle est bien anticipée par Bézé. On va chercher Romo, Ngawa, Hubert, on va faire... tourner pour la fin de cette première mi-temps. Pour l'instant, Anderlecht qui domine, comme tu l'as dit, ta petite analyse du match, on n'a pas spécialement l'impression que ça, les statistiques parlent d'elles-mêmes, hein, 3 tirs à 1, 1 tir, 1 but. Mais après, voilà, ça reste quand même assez équilibré, on le voit justement avec la possession, 50% des deux côtés, même s'il y a peut-être un petit avantage du côté de Louvain dans le jeu produit, mais Anderlecht n'est pas non plus en dessous dans ce match. Absolument. On va voir si on va pouvoir changer quelque chose. Peut-être tactiquement, on a fait une petite vérification de la compo. C'est un 4-4-2 hein, du côté de Louvain, je ne me trompe pas. Effectivement. Et de l'autre côté, tu l'avais dit au début, tout au début, quand on a pu observer les changements tactiques de ces deux équipes. 1-4-2-3-1. 4-2-3-1 qui maintenant joue avec 3 MOC. Avant, c'était pas un MD, un MG les années précédentes. Ça a toujours été 3 MOC. Le 4-2-3 étiré et le resserré. Ok, tout à fait. Mea culpa, j'ai toujours eu cette impression que même dans le resserré, c'était un MD, un MG malgré tout. Ils étaient simplement resserrés par rapport à leur position. Hubert, on va temporiser ce coup franc pour tenter de trouver une opportunité. Peut-être simplement une passe, c'est effectivement le cas. C'est fait, on se retourne, on joue bien, techniquement c'est bien réalisé. Avec Hubert, ah, c'était pas mal tenté là, cette ouverture.
aux abords du rectangle, c'était bien réalisé là, c'est hors-jeu Ouais. malheureusement. Position d'hors-jeu pour Enmecha si je me trompe pas, j'ai eu un petit peu peur de me tromper. Ouais, il a mis un peu du temps, hein, ça c'est. L'arbitre a pris son temps pour siffler ceci, mais la profondeur était quand même bien tentée, il y avait pas mal d'idées encore une fois dans cette action. Même on voit vraiment que c'est ce que Under Act cherche à vraiment. Il attend un petit peu bas justement Louvain pour essayer de partir rapidement en profondeur et en contre-attaque. Bon, ça a fonctionné, il mène à zéro pour le moment. Oh, magnifique ce râteau pour éviter le tacle glissé, Malinov, la profondeur pour Martens. Oh, joli! Très très joli, cette petite fin de frappe qui aurait pu l'ouvrir sur son pied droit, tirer premier poteau, mais heureusement, on en voit le travail défensif à deux joueurs, Ouais. l'intérêt du 2 contre 2 pour anticiper non seulement le premier geste, mais également le deuxième, très très bien réalisé, en tout cas défensivement de la part d'Anderlecht, et on voit que plus ça avance, plus Louvain commence à retomber un petit peu sur ses pattes. Ouais, c'est ça. Et puis plus ça avance, plus Louvain va se précipiter justement pour attaquer. Oula, Ça oula, fait peur. bon, rien de grave, ça n'a pas entraîné de conséquences, mais ça c'est le genre d'action qui arrive très 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 souvent. Je pense que pour tous les amateurs de FIFA qui nous suivent actuellement, vous savez tous que c'est. Bah, on en prend beaucoup des buts comme ça au début et on en met aussi pas mal. Surtout en 2 contre 2. Surtout en 2 contre 2. Effectivement, le gros problème du 2 contre 2, je sais pas si tu vas rejoindre mon avis sur ça, mais pour moi, le 2 contre 2, le gros problème, c'est de ne pas presser. Parce que dès que deux joueurs, imaginons, on prend deux défenseurs latéraux, on va avancer, ça laisse un espace sur deux côtés, ça devient très difficilement défendable. On a tendance à un peu trop se jeter en 2 contre 2 et à bouleverser un peu trop le positionnement de notre équipe. Un petit peu ça et un petit peu aussi des fois le joueur que tu sélectionnes il change automatiquement sans le vouloir et quand tu fais une passe bah habituellement tu t'attends que ce soit ton coéquipier qui la réceptionne sauf que finalement c'est encore toi et t'es un peu Ouais. surpris et ça peut ouais. Absolument, absolument. Il faut être très réactif dans ce mode de jeu. Ce petit moment de place, ça me donne l'occasion également de vous parler un petit peu des stats en jeu des deux joueurs pro qu'on a l'occasion de recevoir pour ce match d'exhibition. Du côté de Samby Lokonga, on a une très très belle note de 72 avec un potentiel de 81. Donc très intéressant. Si vous voulez faire une carrière avec lui, évidemment, le potentiel n'est pris en compte que dans le mode carrière et. Il est dans son poste principal, si vous ne le savez pas, c'est milieu central ou milieu défensif central. Une action justement du côté Anderlecht, toi avec ce double contact qu'on ne peut faire d'ailleurs qu'avec les isolés de gestes techniques suffisantes. Je crois que c'est 5 tout simplement. C'est Je ça. ne pense pas qu'on puisse le faire à 4. Sinon, c'est un simple double contact vers l'avant. Attention, on se retourne, on se retourne, on se retourne une deuxième fois. C'est bien réalisé là pour un peu temporiser. Amuzu, 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 Amuzu qui a failli enchaîner la réussite, enchaîner les contre-favorables pour aller marquer. Mais finalement, c'est bien récupéré. Ça, par contre, c'est le genre d'erreur qu'il ne faut absolument pas faire avec Tau. Tau, et non, là, cette fois-ci, c'est bien défendu. Mais ça revient dans les pions avec toi. La balle leur colle au pied. Il y a une sorte de magnétisme qui est stoppé par ce tacle debout, mais plutôt agressif, reposé par Louvain. Ouais. Du côté adverse, parce que du coup maintenant c'est Louvain qui a le ballon, bon, il suffisait que je le dise pour que ça change, mais malgré tout, donc quand même cette action a l'air intéressante, non ça va, tout va bien, on cafouille un petit peu des deux côtés au niveau du milieu de terrain. Thomas Henry, il a une note globale dans le jeu de 70, avec un potentiel en carrière sous les joueurs de 72, évidemment il est un petit peu plus vieux que Samby Lokonga, donc c'est toujours en fonction de la jeunesse que le potentiel augmente ou descend dans FIFA en mode carrière, et son poste principal, vous le voyez depuis le tout début, cette confrontation CPU avec Tau peut-être qui. Créer le deuxième gros danger vers la cage de Louvain. Ça, c'était une occasion de but. Hein. Ouais, peut-être le mauvais choix de Zaka là quand même. Il aurait peut-être pu faire un petit râteau juste à côté du gardien comme on voit souvent et s'est peut-être précipité en tirant et ouais. Oula, ça, c'est un meurtre, un tacle assassin. Clairement, on ne jouait pas le ballon sur ce tacle. Mais on va du coup écoper d'un coup franc. Une faute professionnelle. Une faute professionnelle, tout à fait. Allez, c'est récupéré maintenant avec Kotich. Martin, souvent sollicité hein, sur son aile droite, et ça va être récupéré par Amourio qui va dégager vers Sardella. Sardella aussi, un fameux potentiel hein, pour Sardella si ça vous intéresse. Mais évidemment, ce n'est pas lui que l'on voit jouer en tant que joueur pro cette fois-ci avec Zach Bentato. Attention à ne pas trop laisser d'espace, et c'est bien réalisé. Tacle parfait. Justement, jauger le positionnement entre la passe en retrait qui Ouais. aurait pu être jouée et le tir, c'est magnifiquement On réalisé. voit Donc, qu'il a vraiment que le joueur d'Andrake a vraiment hésité entre et bon il a peut-être fait le mauvais choix dans ce cas-là mais c'est vrai que ouais, il fallait faire un choix, il a essayé de donner l'information à Louvain qu'il allait la faire en retrait et puis repartir quand même sur le côté. c'est bien réalisé encore une fois cette passe en profondeur là. On tente vraiment de plus en plus de choses des deux côtés. On sent que le match pourrait tourner à tout moment avec une profondeur vers Mecha. Attention, la passe. Ah, tout juste. Tout juste. Heureusement, Ken Gawa est là pour récupérer ce ballon. Ça s'est joué
de très 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 peu. Il y a vraiment de plus en plus d'espace pour Anderlecht hein, en profondeur, même dès qu'il y a le ballon, il y a peu d'hommes qui défendent du côté de Louvain. On est quand même proche, peut-être plus proche du 2-0 que du 1-1, j'ai l'impression. Bien sûr, le pressing augmente hein, au fur et à mesure du temps qui avance, c'est tout à fait cohérent. Sambi Lokonga lui-même, le double passement de jambe, plutôt triple passement de jambe. Kana, Sambi Lokonga, c'est pas mal tenté, c'est talonnade, le tir et le but. Le but sur le tir croisé, non. Le petit check entre Zach Bentato et Sambi Lokonga, mais c'est bien réalisé, l'action elle est parfaite, la profondeur elle est passée tout juste, encore un tout petit peu, et ça ne serait pas passé, mais c'est bien réalisé. Ouais, c'est vrai qu'en plus les tirs croisés, on sait que sur FIFA 21 ça fonctionne très 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 bien, bon bah voilà, on voit que quand même, soit il a fait beaucoup entraîné, et il le sait, soit il avait tenté la frappe croisée. Mais... Absolument, et ça me rappelle les statistiques de Sambi Lokonga au sein même du jeu, puisqu'il a quand même un total en passe courte de 76, agilité, contrôle du ballon, calme 78, autant de qualités qui sont utiles sur ce genre d'action qu'on a pu le voir dans les petits espaces, dans le rectangle. Il fait honneur à sa propre carte. Ouais, ça. Et puis justement, on parlait justement qu'on était proche du 2-0, et puis ils font 2-0. Donc, Oui, on a senti malheureusement le côté pressing, la montée au niveau de la profondeur du jeu pour l'équipe de Louvain ne va pas trop en son sens. On sent que c'est quand même un joueur qui préfère évoluer. Ben, ouais, c'est ça. Très clairement, Martens, ben merci peut-être pour aller sauver l'honneur, aller marquer ce 2-1 qui pourrait quand même faire du bien au mental pour ce match d'exhibition. Ah non, c'est bien récupéré par Anderlecht. On récupère de l'autre côté, au milieu de terrain il y a beaucoup de gestion comme ça, on a l'impression que la balle se partage très rapidement entre les deux camps, hein, Xavier. Bah c'est vrai qu'on voit pas de longue période de possession non plus. Hein. Et très très belle victoire en tout cas d'Anderlecht qui a vraiment montré du très très beau jeu, peut-être aussi un petit message que fait passer ouais. Zakaria Ventato pour ses adversaires dans le championnat. Ouais ça, bah, voilà, la main mise sur le match, ils ont fait le boulot, ils ont gagné 2-0. Ouais parfait, alors qu'on voit Vincent Kompany lui-même. Oh il me fait penser un peu à Mbappé, Nmecha, comme ça quand je l'ai vu comme ça j'ai... De loin. Oui de très loin. Alors qu'on voit même Thomas Henry au sein même du jeu. Très très belle performance en tout cas d'Anderlecht. On le rappelle pour ceux qui viennent d'arriver, ceci n'est pas encore un match officiel de la Proximity Pro League, c'est un match d'exhibition. Donc ça ne rapporte pas encore 3 points à Zakaria Ventato, mais c'est un bon point pour son mental. Et du côté adverse, il faut quand même avouer, pour un joueur qu'on n'a encore jamais eu l'occasion de commenter, de voir dans cette compétition, et ben c'est plutôt pas mal. Hein. Ouais, c'est vrai qu'il a quand même montré de belles choses. Bon, c'est vrai qu'il n'a pas réussi à marquer, mais bon, en face, c'était quand même un adversaire de haut niveau. Donc, bien sûr, et la combinaison entre au niveau des deux équipes était très bonne, alors que vous avez l'occasion d'observer les deux équipes, les vainqueurs du côté d'Anderlecht et malheureusement ceux qui ont perdu du côté de Louvain. Bonjour à toutes les deux équipes, hello. On va commencer en français avec le côté Anderlecht et puis on parlera un petit peu anglais. We'll try to speak to Anderlecht in French and afterward to Louvain in English. So, bonjour, salut Zach, salut Sambi Lokonga, félicitations pour votre victoire. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce premier match? Est-ce que vous avez déjà joué à deux auparavant? Je vais un peu résumer, on n'a jamais joué ensemble. Ok. Wow. Et, je pense que grâce à la connaissance footballistique d'Albert et à ma connaissance FIFA, bah, ça a fait le mix parfait, donc on a pu gagner ce match-ci. Très très belle action à la toute fin du match avec cet enchaînement passe-court dans le rectangle, la dernière profondeur. Est-ce que vous êtes vraiment satisfait du match que vous venez de poser? Ouais, bien sûr, on est satisfait. Bah, je pense qu'on a eu le contrôle du match, même si les stats sont un peu partagées. Je pense qu'on n'a pas été super mis en danger et qu'on a contrôlé le match. Donc ouais, on a joué au foot, on a montré que sur FIFA, on pouvait gagner en jouant au beau football. Ouais, ah, c'est vrai. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Petite question, dernière petite question. Ouais, j'avais une petite question pour Sambi, mais vraiment très courte et un peu plus fun. C'est si c'est toi ou c'est Polo le meilleur à FIFA? Non, Polo il est nul, c'est moi le plus fort de la famille. Ça c'est fait, merci à tous les deux pour cette petite interview. Et on va passer du côté de Leuven. So I will try to speak French first to ask the question to the public and afterward I will say it in English for you. Donc vous avez malheureusement perdu ce premier match d'exhibition. Est-ce que malgré tout vous êtes senti bien dans votre jeu et particulièrement toi et Onel? So you lost the first match. But it isn't so much. It was an exhibition match. Do you feel good, Lionel, for the rest of the competition? Yeah, I think it was okay. Just a bit unlucky with the finishing, but for the rest, it could have went both ways, in my opinion.
Ok, thanks Lionel, we don't have the time to continue, on a malheureusement pas le temps de continuer les interviews, thanks for this interview, et merci à tous. Passons donc à une analyse peut-être un petit peu plus précise de ce qui s'est passé. Anderlecht a donc remporté 2-0, on a dit, ça risque d'être très intéressant pour le futur, Zakaria Bentato qui est toujours présent, malgré qu'il soit peut-être un des plus âgés, un des plus expérimentés de la compétition, Xavier. Ouais, c'est ça, et puis après, comme justement le résumé Zach en interview, il n'a pas été vraiment mis en danger par une occasion, un petit cafouillage sur un corner, les autres n'ont pas été mis en danger par Louvain, donc ils ont eu comme la main mise sur le match, ils ont fait le boulot, ils ont marqué rapidement, après ils ont pu gérer le score, et en fin de match ils ont réussi à faire 2-0, donc voilà, c'est une victoire je pense méritée et bien maîtrisée du côté d'Anderlecht. C'est sur ce mot de la fin de Xavier qu'on va clôturer ce premier match d'exhibition, victoire donc 2-0 d'Anderlecht face à Louvain. On enchaîne immédiatement avec le second match de préparation, le second match d'exhibition en l'honneur de cette Proximus e-Pro League, évidemment sur FIFA 21, le jeu de simulation de football. Après un Anderlecht contre Leuven, on va passer à un deuxième match tout aussi intéressant, encore une fois vous allez voir, entre Genk et le KS Eupen, Xavier. C'est vrai que ça peut être vraiment intéressant avec Abdoulaye, bah voilà, justement on le connaît qui est un très 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 bon joueur, de l'autre côté Sven de peine qu'on connaît peut-être, on l'a découvert l'année dernière lors de la deuxième édition de la Proximus e-Pro League, mais on le connaît tout de même un petit peu moins, et j'aimerais bien voir ce qu'il peut faire justement en 2 contre 2 en plus contre Abdoula et Torsvet. Bien sûr, ces matchs, on le rappelle encore une dernière fois, qui n'ont aucune valeur pour la compétition qui va démarrer d'ici très très peu de temps, mais ce sont simplement des matchs voilà, pour s'échauffer, montrer un petit peu justement les différents joueurs et leur permettre, et c'est ça la jolie spécificité, de jouer entre joueurs e-sportifs et joueurs professionnels des clubs respectifs, puisque respectivement, on l'a dit, Abdoulaye et Sven Roasted sont accompagnés de deux joueurs pro, Xavier. Ouais, c'est ça, ils sont accompagnés de Torsvet. Et du côté de Pen, c'est Boris Lambert. Boris Lambert, voilà. Effectivement. Donc, des deux côtés, on a des joueurs pro qui sont installés dans leurs clubs respectifs, qui sont, vous allez vite le comprendre, plutôt pas mauvais à FIFA, sinon on ne les aurait pas choisis. Mais l'idée, c'est vraiment de leur permettre de passer un bon moment et aussi vous faire passer un bon moment et voir si vos joueurs préférés ont le niveau. Peut-être pour un jour, qui sait, devenir joueur e-sportif. On va peut-être prendre la place de leur homologue. Absolument, tout à fait, tout à fait. Et donc, petit point, c'est vrai qu'on n'a pas spécialement fait sur les deux joueurs e-sportifs, tu l'as rapidement décrit. Ouais. Abdoulaye, on connaît très, 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 très bien. Ce n'est ni plus ni moins que le demi-finaliste de l'édition précédente. À l'époque, il y avait deux championnats, un championnat amateur et un championnat pro. Le championnat amateur se terminait, les six premiers avaient accès aux play-offs où ils rejoignaient les joueurs professionnels pour un enchaînement d'une succession d'événements, d'abord des poules et puis quart de finale, demi-finale. Il avait réussi sans trop de soucis à se sortir de ses poules pour ensuite arriver en quart puis en demi-finale où il a malheureusement échoué face à Rego. Ouais. Rego qui n'a finalement pas gagné d'ailleurs la Proximus e-Pro League précédente. C'est ça. Je pense que tu as bien résumé la situation. Mais là, c'est vrai qu'on voit justement les deux équipes vont jouer peut-être en 4-4-2. Un peu différent du premier match justement où c'était un peu plus en 4-2-3 de base. Et puis au final... Voilà, par contre, on voit aussi Genk, justement, il replace quelques ailiers en pointe, enfin, un ailier, un buteur, justement, Boganda, qui est plus un ailier, puis il est un petit peu plus rapide en mode 90, donc peut-être pour aller chercher encore un peu plus la profondeur. Exactement, donc nous sommes en mode 90, les statistiques sont fixes, sont liées à votre poste, et pas aux joueurs réellement, comme dans le vrai jeu, tout le monde est stabilisé, c'est pour garantir une sorte d'équilibre entre les différentes équipes. Et donc, c'est également le cas pour ce genre d'événement, mon cher Xavier. Ça va être un match donc qui va se lancer relativement rapidement, de composition très similaire, 4-4-2, on est sur un 4-4-2 basique, comme tous les autres, un 4-4-2 plat. Ouais, ça. Et puis on voit aussi, comme le premier match, que les deux joueurs du noyau A, sont dans l'effectif sur FIFA également. Évidemment. Il ne faudra pas les mettre sur le côté. évidemment. Et on voit déjà un peu de bonne humeur. Ils ont de la chance, évidemment, les joueurs de Genk, on voit leur sourire, mais c'est également le cas du côté de Pen, on peut le deviner grâce aux visages, qui sont plutôt heureux de pouvoir jouer ensemble. Et ça va être une chouette opportunité pour les e-players, comme on les appelle ici, de frotter un petit peu les uns contre les autres en compagnie de joueurs pros qui, eux, se frottent sur le terrain. Ouais, et puis on va aussi voir justement si la cohésion entre les deux joueurs est bonne ou pas, parce que c'est ça aussi qui peut forger un résultat en 2 contre 2. Absolument, match qui va donc démarrer Eupen
contre Genk, on le rappelle, sans enjeu, sauf peut-être l'enjeu de représenter son club dans ce genre de match. Évidemment, ça a aussi toute son importance. Et ce match qui est lancé avec Lambert, on va temporiser du côté de Penn en début de partie, en début de match, peut-être également prendre ses marques. Et là, on n'a pas l'information de est-ce qu'ils ont eu l'occasion de souvent jouer ensemble avant. Non, bah, ça dépend. Enfin, là, justement, pour eux deux, on ne le sait pas. Par exemple, on a posé la question aux joueurs d'Anderlecht auparavant et ils ont très bien joué à deux et pourtant, ils n'avaient jamais joué à deux. Donc des fois, même sans entraînement, ça peut bien marcher. Absolument, tout à fait. Et ils ont vraiment... je n'irais pas jusqu'à dire qu'ils ont dominé la confrontation de bout en bout, mais on sentait quand même qu'une victoire était méritée pour l'équipe d'Anderlecht, malgré quelques moments forts pour Louvain, pour tous ceux qui n'auraient pas suivi la première partie de ces matchs d'exhibition. Dernière petite chose quand même à vous rappeler, on n'a pas eu l'occasion de le dire au premier, mais c'est vrai que ça peut être important. Suite aux mesures sanitaires qui sont toujours bien en place et bien présentes, nous commentons avec un masque, ce qui peut expliquer quelques petits problèmes de voix de temps en temps, mais il vaut mieux préserver la santé de tous les employés, de tous ceux qui travaillent aussi bien dans l'ombre que dans la lumière pour ce projet. Et donc nous gardons un masque du début à la fin de la compétition, en tout cas tant que ce sera nécessaire. C'est ça. Petit point à ce niveau-là. Malheu, joueur sur très rapide, extrêmement rapide dans le jeu de base. Ici, évidemment, ces statistiques sont mises comme toutes les autres. Je pense qu'au final, il n'y a pas une grosse différence. C'est ça. Au niveau de la vitesse, je suis pas sûr qu'il perde grand-chose. Enfin, il gagne grand-chose, Malheu. Mais en tous les cas, un joueur qui, je me souviens, il était très utilisé. J'ai souvent cette anecdote au début de FIFA 20, un peu moins sur le début de FIFA 21 cette fois. Je sens qu'il était très apprécié, le joueur de Genk. Dimbombé, on lève ce ballon un peu trop de tricotage, malheureusement, on n'a pas été très précis sur ce dribble, sur ce geste technique. Et c'est incroyable parce que si vous regardez l'écran en bas à droite avec la caméra d'Abdoulaweis et Xentorstvedt, vous voyez très très bien qu'il ne s'arrête jamais de sourire. Évidemment, Abdoulaweis, on sent vraiment qu'il est content de faire ce match. Von Gonda, ah, le full roll de Von Gonda, malheureusement. Il a peut-être un peu trop hésité. Hein. Il voit qu'il ne savait pas trop de frappe, de faire la passe. Et puis bon, au final, le défenseur est revenu, il l'a intercepté. Absolument. Henry qui tente de prendre de vitesse sur Onen qui était bien placé pour récupérer ce ballon, et on va rechercher Limbombé maintenant. Limbombé toujours, Torsvet justement, on en parlait, déjà très utilisé dans la saison précédente, d'ailleurs Torsvet, fidèle au poste. Hendry, on a tenté une croqueta là, si je me trompe pas, dragback vers l'avant, on temporise sur cette aile droite, peut-être chercher une tentative de centre avec Beck qui s'incrustait dans le rectangle, mais qui est bien stoppé, très très bien réalisé défensivement de la part du Kersey Genk. On se lance avec Limbombé maintenant. La récupération de Peters, attention, ce genre de petit cafouillage dans la défense latérale droite, et on va faire tourner maintenant avec Torsvet. On a vu un joueur partir dans l'avant-centre, Ito, joli Ito pour Heinen, Ito de nouveau, Ito en vitesse face à Scouterden, excusez-moi, Engoy, et on va conserver, belle récupération de Pund dans son camp, pas encore énormément d'occasions franches, Xavier, mais ça ne saurait tarder. Bon, on voit aussi qu'au début du match, Genk avait un peu du mal, enfin beaucoup de pertes de balles rapides, maintenant ça commence à aller un tout petit peu mieux. Mais on voit aussi qu'ils sont là pour s'amuser, parce que c'est un match d'exhibition, ils essayent des gestes techniques et tout ça. Ouais, absolument. C'est sympa à voir. Attention, Von Gonda qui prend de la vitesse! Bien vu de la part de Von Gonda, cette rentrée dans le rectangle, on a poussé le ballon. Tout simplement, on a pris de vitesse ses opposants, il y avait un espace qui était vraiment laissé dans le rectangle, et on en a bien profité. Très bien réalisé, 1-0 pour Genk dans ce match face à Eupen. Encore une fois, première occasion, premier but. Hein. Oui, absolument. Alors que j'ai remarqué, on avait fait un petit point sur Abdoulaweis, mais on n'a pas spécialement été plus loin en l'occasion du joueur d'Eupen. Eupen qui était Sven Rosted, donc pour son pseudo Roasted, si vous voulez que je le prononce bien à l'anglophone. Sven était déjà présent la saison passée dans le championnat amateur, à l'image d'Abdoulaweis également. Il est passé pro très récemment au sein de Eupen. Et la petite information qui est toujours intéressante, c'est que malheureusement, il n'avait pas réussi à se qualifier au playoff, mais qu'il avait quand même été chercher un petit nul contre le premier à l'époque, qui était Zeyror, le joueur de Saint-Tron. Et donc malgré sa place qui ne lui a pas permis d'avancer, pourquoi je parle quand Eupen nous propose un si beau jeu, très bien réalisé, cette passe dans le rectangle, on vient enrouler cette frappe second poteau, très très bien vu de la part d'Eupen. Ouais, ça fait directement 1, enfin, ils n'ont pas été menés au score très très longtemps, c'est vrai que ça rebat un petit peu les cartes pour le reste du match. On sentait que Hendry était très souvent sollicité et là ça se répercute sur le buteur, tout simplement. Très bien réalisé de la part de Penn qui réagit directement alors que je m'attendais à un round d'observation, c'est pour ça que je commençais mon explication et je n'ai même pas vu venir vu la rapidité, le côté éclectique de cette offensive du côté de Penn. 1-1, 33ème minute de jeu, il reste encore évidemment beaucoup de temps pour que ces deux adversaires s'adjugent. Engoy
Elgol toujours sur l'aile gauche, on prend énormément de vitesse face à Malheux et Munoz qui va récupérer ce ballon sans trop de soucis et dégager l'effectif de Genk. Onuachu. Il n'y a pas beaucoup de joueurs de Genk, enfin, il y a quand même beaucoup de défenseurs de Ben pour peu de joueurs de Genk actuellement. Offensivement, oui, ouais. Bien sûr. Bien sûr, c'est vrai que c'est peut-être aussi un choix du côté de Genk de jouer plus le côté latéral, attendre un peu le soutien des défenseurs latéraux peut-être. Ouais, ou peut-être que le bloc, il joue peut-être un peu trop vite vers l'avant et le bloc a pas forcément le temps de remonter. Ah, peut-être également, tout à fait. Attention, Onuachu. Onuachu, double passement de jambe, c'est bien réalisé, ça là. Il a même enchaîné sur une feinte de frappe qui était pas mal tentée également. Et finalement, c'est Eupen qui sera maître du ballon. Après le Jack, pour maintenant tenter une profondeur sur la droite, non, on préfère aller chercher Peters, sans trop de soucis. Einen, Ironen, Limbombe maintenant, on fait tourner en triangle avec Torsvet lui-même. C'est vrai que je le trouve plutôt réussi hein, d'ailleurs Torsvet, je le ouais. Vois un petit peu de loin dans le jeu, vous le voyez également. Je trouve qu'il y a quand même une grosse ressemblance avec le joueur qu'on voit en bas à droite ouais, de votre ouais, ouais, bon. Joelito, toujours la fin de frappe et heureusement qu'on a, on a cool sur ce ballon pour tacler une passe en retrait qui aurait pu être assez cruciale. Ito, Onuachu. Ito de nouveau et on va faire tourner cette fois-ci au niveau de l'aile droite avec Malheu, la petite croquetta de Malheu. On va chercher Bongonda, Onuachu, Enen. On fait tourner encore une fois sa bord du rectangle. Onuachu très très grand, Onuachu par rapport aux autres membres de cette offensive. Attention, attention, ça s'est joué sur un petit détail, un contre-favorable, un joli tacle et c'est bien réalisé quand même du côté de Genk parce qu'on a eu la lucidité de tirer en première intention juste après, Xavier. Ouais, il y a cru jusqu'au bout justement, il y a eu le petit contre-favorable, mais il y a cru et même ça a apporté ses fruits puisque grâce à ça, ils font 2-1. C'est ça. Il a forcé également le duel hein, sur une position qui était plutôt défavorable pour l'effectif de Penn en plein milieu de leur rectangle avec beaucoup de joueurs cette fois-ci, un peu à l'inverse de ce qu'on disait avant qui était du côté de Penn. Le club belge alors qu'on jongle du côté de Bongonda, c'est un... Pourquoi pas. On s'amuse vraiment du côté de Genk. Ironen, Torsvet, on a vu la profondeur mais elle était malheureusement, on pouvait pas la jouer, elle était un peu trop tardive. Hein. La feinte de frappe, la double feinte de frappe, on a tenté encore une feinte mais ce sera Beck le premier sur ce ballon et on peut aérer le jeu dans le centre avec Kools. Previak, et non c'est bien récupéré de la part d'Ainen. Einen, Onuachu, ah bien vu de part d'Agbadou, mais le contre il est encore du côté de Torsvet, du côté de Genk, avec ce tir lointain qui a failli tromper le gardien. Finalement De Wolf n'aura aucun souci à la récupérer. Heureusement qu'il a fait avancer le gardien, plus sinon je pense pas qu'il l'aurait eu, parce que ça a quand même pas mal réduit l'angle de frappe. Toujours une grosse question qu'on se pose, et je vais peut-être justement profiter de ta présence Xavier pour te la poser. Que faire dans les situations comme ça? Alors c'est pas exactement ce qu'on a vu ici. Attendez, je vais quand même commenter ce qui se passe là avec Moussona qui est en 1 contre 2. Moussona qui temporise un petit peu mais Malheu va récupérer. Imaginons une situation d'un contre 1 entre un gardien et un joueur. Est-ce qu'on doit avancer? Est-ce qu'on doit un peu avancer? Rester dans son goal? Qu'est-ce qu'il va faire? Avance et puis après je recule un petit peu parce que ça dépend. Des fois quand t'avances, le joueur va être tenté à lob. Et justement si t'avances pas trop, donc c'est un peu. Je pense que c'est franchement au ressenti, au feeling. Que quoi qu'il arrive, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix dans cette situation. Alors que pendant que t'analyses ça, Ironen nous fait un arrêt quasiment sur la ligne, sur cette occasion qui est tirée d'un corner proposé par Eupen. Van de Voort va devoir faire encore un gros taf du côté du gardien. Van de Voort, au passage, pour la petite histoire, sur le mode carrière de FIFA, Van de Voort peut être très intéressant avec un potentiel qui excelle les 85. Le tir du côté de Penn, c'est très bien réalisé. C'est vrai que pour le moment, Penn, ils ont quand même quelques occasions et ils n'arrivent pas à les mettre au fond. Et peut-être qu'ils vont s'en vouloir à la fin du match. Hein. Absolument. Enen, Onuachu. Onuachu, le râteau, la profondeur, mais malheureusement, elle est imprécise. C'est récupéré par Scouterden qui fait un très très bon match pour l'instant. Hein. Joueur de Penn. Egoy. Ngoy, Malheu, Josef Malheu face à Ngoy et on dirait que c'est la talonnade qui va passer hein, pour l'effectif de Penn avec Moussona maintenant. Moussona, le centre tendu, sans malheureusement de succès pour cet effectif de Penn. Nimombe, Beck, bien vu, belle récupération. Pressing qui commence doucement à monter, la profondeur qui commence à augmenter du côté de Penn. Avec Kous, après le profondeur pour Moussona. Moussona toujours la croquette, on va peut-être revenir dans l'axe, c'est fait maintenant, le tir d'Engoy contré par Lukumi. Eupen qui se montre de plus en plus dangereux, Sven avec son coéquipier Boris Lambert qui sont vraiment en train de faire un gros taf offensif dans cette dernière minute de jeu. Avec Hendry. Ah, bien vu, bien tenté quand même.
Bien tenté. Quand même proche du 2-2 depuis quelques minutes. Et bon, au final, la défense de Genk tient à bon, mais c'est quand même limite pour le moment. Absolument. Ça devient très, très, très difficile, très, très dangereux. Ito, le ratou d'Ito récupéré par Hendry. Attention, parce qu'on a quand même deux du côté Genk. Heureusement que c'est profond de rencontrer. Heureusement, parce qu'il était parti tout seul, hein, Ito. Si je me trompe pas, c'était bien Ito là sur cette aile. Ça aurait pu être dangereux. Engoy. On va chercher Kools maintenant. Moussona back vers l'avant. Il a presque feinte Munoz. Heureusement qu'il est présent. On va rechercher l'aide droite maintenant avec Hendry. Hendry, non, c'est Uronen. Uronen, encore une fois, très important. J'ai l'impression que c'est un match de latéraux en fait, Xavier. Ouais, quand même. Bah, on voit que ça joue. Tu vois, en 4-4-2, c'est pas pour rien. Mais il joue vraiment beaucoup sur les ailes pour aller chercher de la profondeur sur les ailes. Et puis après, essayer de faire la différence en repiquant dans l'axe. Et c'est vrai que pour le moment, on a vu 3 goals. Mais c'est pas non plus sur les ailes qu'on a le plus d'occasions, j'ai l'impression. Tout à fait. Tout à fait. Petit point pendant ces changements tactiques. Les deux joueurs ont respectivement Torzet 21 ans et Boris Lambert 20 ans. C'est important de le savoir parce que ça veut dire que dans le jeu, si vous voulez jouer encore une fois en mode carrière, je pense à vous en tant que joueur également, ils ont un très très gros potentiel à chaque fois, même s'ils ont une note de Torzet de 67 de base dans le jeu et Boris Lambert a une note de 56 de base, ils peuvent facilement monter très très haut. Voilà, c'est toujours les petites anecdotes hein, pour ceux qui aiment le jeu solo. Évidemment, c'est rare qu'on utilise ce genre de joueur en Ultimate Team. Mais pourquoi pas pour vous faire une petite carrière avec vos clubs de cœur. Attention, Lukumi et Torzvet qui vient récupérer. C'était pas mal tenté quand même du côté de Pen, ce jeu technique sur le centre du terrain. Après, on voit encore Genk qui essaye vraiment sur le côté, sur l'aile, une longue passe en profondeur en espérant trouver l'homme. Et puis après, au final, ils l'ont perdu, mais... C'est vrai que s'ils arrivent à le récupérer, ils peuvent être très vite dangereux. Et attention à cette action parce qu'on a passé 3 jours avec une simple passe puissante. Et oh, dommage! Non, pénalty ça! Pénalty concédé par Munoz! Ah, c'est le tournant du match! C'est le tournant du match! Un tacle un petit peu trop glissé, un petit peu trop agressif aux yeux de l'arbitre de FIFA 21, Van de Voort face à Previac. Il va falloir que je m'habitue à prononcer bien ce pseudo. Et c'est la Panenka! On se fait plaisir du côté de Pen, on se fait très 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 plaisir. Ils ont l'air contents du côté de Pen. Ils ont ravis d'avoir pu placer ce mouvement évidemment du côté de Genk, on en rigole. Ouais. On se rappelle, c'est un match amical, un match d'exhibition. C'est pas le moment où on va commencer à enrager évidemment. En tout cas, c'est bien réalisé, c'est très très bien vu. On va prendre un petit coup d'eau et on va vérifier les statistiques. Non pas, en général, quand vous voyez les joueurs regarder ce genre d'éléments comme les notes, c'est pas vraiment pour les notes, c'est pas vraiment ce qu'ils regardent. Ils essaient juste de vérifier que l'adversaire n'a pas changé de dispositif pour, en pleine conscience, éventuellement changer à leur tour. Par exemple, on se rend compte que l'adversaire passe à un truc extrêmement offensif, on va placer dans une formation plus défensive comme un 5-3-2 par exemple. Bonne Gonda. Oh, la croquette qui a failli passer, quel arrêt de Peters. Ouais. Quel tacle debout de Peters qui maintenant a décidé d'avancer tout seul vers le but. Peters est bien vu, hein, il protège très très bien son ballon. Là, le joueur de Pen, la rapidité de Hendry, je vous le dis, il est vraiment crucial hein, pour l'instant. Très très important, très très sollicité. Là, c'est un tacle par contre extrêmement bien réalisé de la part de Pen. Bref, direct maintenant, joliment fait, ce quasiment stop and turn. On a mis le Croquetta. La Croquetta qui ouvre le chemin et le but. Il a fallu que 10 minutes de jeu pour retourner notamment la situation pour cette équipe de Pen. Très bien vu, 3 buts à 2. Par contre, on a l'impression que le chemin s'est un peu trop ouvert facilement après la Croquetta. Ouais, depuis tout à l'heure, on voit beaucoup d'occasions. Et puis c'est vrai que là, il fait une Croquetta, puis après, le but est grand ouvert. Mais c'est un peu la spécificité de FIFA 21, qui est habituellement fan de frappe, Croquetta. Et souvent après, la défense n'a pas le temps de réagir. Et ça se vérifie encore une fois. Ah, dommage de la part de Bongonda de ne pas avoir pu replacer cette profondeur en 1-2, c'est dommage. Allez, on va relancer. Attention, la fin de frappe et on va récupérer ce ballon finalement quand même du côté de Pen. La belle profondeur pour Previac et le love. Après la Panenka, c'est le love et ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. Retournement radical de situation alors qu'ils étaient menés 2 buts à 1, des voici vainqueurs 4 buts à 2 pour l'instant. En 10 minutes, ils ont mis 3 goals. C'est ça, c'est aussi simple que ça. Ce sera l'occasion de demander aux joueurs belges, aux joueurs justement qui nous proposent de jouer ici, Boris Lambert, qu'est-ce qu'il a pensé justement de l'idée de mettre autant de buts face à plusieurs gros, gros, gros joueurs. Vavi, on va tenter d'aller chercher la profondeur avec nous.
Encore une fois, regardez la vitesse de ce joueur, le tir en première intention, pourquoi pas. Pourquoi pas, au final, tenter un tir croisé d'aussi loin. Ça m'étonnerait que ça serait passé, mais peut-être sur un petit coup de chance. Bon, après, quand tu as deux goals d'avance à la 88e minute, tu peux tenter des choses. Oui, je pense qu'à ce moment-là, il n'y a pas trop de risques. Déjà, ils ont déjà tenté quelque chose alors qu'ils étaient menés 2-1. Je n'imagine même pas alors qu'ils gagnent 4-2. La fin de frappe, Laura Thomas. Attention, il faut tirer au bon endroit, Lukumi. Lukumi, l'arrêt à la dernière minute. L'arrêt au tout dernier moment. On était tout près de la fin de ce match. Evan De Voort qui va récupérer ce ballon et dégager pour la fin de cette rotation. Quoique, il n'a pas l'air de vouloir. La croquette, la prise de vitesse, le tir. Evan De Voort qui va dégager de très très peu aux abords de son. Est-ce qu'on aurait pu être plus sévère quand même, même. Ah oui, mais dans les deux sens. Hein. On aurait pu avoir un 4-3, on aurait pu avoir un 5-3. Vraiment, c'était un match haletant. J'espère que vous avez aussi bien vécu ce match que nous l'avons fait. C'était vraiment extraordinaire et pour l'instant, en tout cas, le plus beau match de cette progressive Pro League. Ouais, ouais. Loin de moi, évidemment, l'idée de rendre négatif le match qu'on a vu précédemment. Il était très intéressant aussi, mais celui-là était un florilège. Voilà, ici, quand même, ici, 11 tirs cadrés du côté de Penn, seulement 3 du côté de Genk. Oui, absolument. Alors qu'on a l'occasion de voir les deux équipes. Ici, je vais donc parler majoritairement anglais pour les interviews. En essayant de faire évidemment de mon mieux, hein, je suis français de base. Et on va essayer de commencer par les interviews peut-être des gagnants, où je vais quand même poser la question en français. Donc, bonjour à tous, hello. On va commencer par Eupen, we'll try first with Eupen. Et j'ai une question justement pour Boris Nambert. Vous avez réussi quand même à marquer 3 buts à la suite, dont une Panenka et un Love. Qu'est-ce que ça fait de mettre d'aussi belles actions face à notamment un joueur pro qui est Abdullah Weiss? Oh, ça fait plaisir, hein. mais voilà, après la Panenka, je dois dire, je fais toujours ça parce que sinon je vais rater, je crois. J'attends toujours une dizaine de secondes et puis je mets la Panenka, comme ça je suis sûr. Mais sinon, ça fait plaisir et voilà, je suis content pour Sven aussi et voilà. Félicitations en tout cas pour votre victoire, congratulations for this victory. Et maintenant, merci. On peut aller du côté de Genk. Avec Abdullah Weiss et Christian Torsvet. Hi, sorry for this defeat. I know it's not the best result, but it's this case. How do you feel? Maybe a bit disappointed about the result after 2-1, 2-2, 2-3, 2-4. It's a bit sad, maybe. Is it a question for me or for Torsvet? Both. You can answer, Abdullah. Okay. Yeah, I think it's a bit unlucky. We played good in the first half. Game up twice, and I think we've conceded 3 goals in 15 minutes time. That's just bad from, especially my side, because I gave away the penalty. Okay, congratulations for this game too. It was really a nice match and one of the best of all time, I think, in the Proximity League. So thanks for that. Merci donc. J'ai remercié rapidement un petit résumé de ce qu'a dit Abdullah Weiss. Évidemment, il est un petit peu déçu, il s'est senti un petit peu mal. Surtout que c'est lui qui a concédé le penalty au tout dernier moment, pas au tout dernier moment, par rapport à la Panenka. Donc il se sentait un petit peu déçu par rapport à ça. À part ça, très content quand même d'avoir pu participer à ce match de manière générale. Les deux équipes étaient plutôt contentes et on a quand même vu le sourire jusqu'au bout. Raison de plus pour voir un beau match d'exhibition. Oui, voilà, c'est quand même une chouette expérience de jouer en 2 contre 2 et tout ça. C'est toujours chouette et quoi qu'il arrive, je pense qu'ils ont pris du plaisir à faire ce match. Donc c'est tout ça qu'il faut retenir. Surtout que, voilà, malgré tout, Abdullah Weiss nous le disait aussi, sa première mi-temps, ils en sont quand même relativement satisfaits, même si la deuxième mi-temps était plus compliquée, comme le montre le statistique que vous voyez actuellement à l'écran. 13 tirs à 3, 11 tirs à 3 cadrés. Des stats de possession qui sont finalement plutôt équilibrés. Et ce qui est intéressant, c'est aussi la stat de tacle. 17 tacles, c'est beaucoup quand on prend l'échelle de FIFA quand même. Donc, ouais, après, je pense qu'ils ont joué un peu plus haut, un peu plus agressif pour récupérer vite le ballon. C'est pour ça qu'ils ont créé beaucoup d'occasions également. Voilà, parfait. Un petit mot de la fin, Xavier, par rapport à cette confrontation. Est-ce que c'est mérité? Est-ce que ça présage quelque chose de bon pour Eupen pour la suite de la Comme disait Abdullah, en fait, je pense qu'ils ont une bonne première mi-temps pour Genk, une bonne deuxième mi-temps pour Eupen. Sauf que Eupen a réussi à mettre 4 goals et Genk seulement 2. Donc au final, score mérité, je pense. Exactement, on rappellera temps fort. Panenka, victoire donc d'Eupen, 4 buts à 2 face à Genk dans ce match d'exhibition.
troisième et dernière confrontation d'exhibition. Évidemment, on en a eu deux extraordinaires. C'était vraiment exceptionnel, notamment la deuxième qui nous a particulièrement laissé sans voix avec une flopée de buts et un premier match un peu plus tactique. Le troisième, on ne sait pas du tout à quoi ça va ressembler, Xavier. Ouais, c'est vrai, comme tu l'as dit, un match, le premier un peu plus tactique, le deuxième un peu plus ouvert avec pas mal de buts. On a quand même vu 6 buts. Donc c'est vrai que le troisième, peut-être qu'on va encore voir autre chose, mais c'est vrai que c'est quand même de bon augure et on a quand même hâte de voir ce que peut nous révéler ce petit match Charleroi. Oui, effectivement, Charleroi-Zult, ça va être un match assez excellent aussi parce que, donc, petit rappel, Proximus ePro League, le championnat de Belgique sur FIFA 21, donc la simulation de jeu de football, et on a un affrontement dans un affrontement. Je m'explique, vous savez bien, les matchs d'exhibition que l'on a ici, c'est du 2 contre 2 avec des joueurs pros. Donc des joueurs pros du club de Charleroi et du club de Zult qui va accompagner en l'occurrence un joueur e-sportif. Mais ces deux joueurs e-sportifs se connaissent très bien. Ils se sont affrontés l'année passée dans la phase régulière, donc dans la phase amateur à l'époque du championnat de Belgique. Et figurez-vous que Florian Van Damme avait fini top 5 en compétition régulière et Geoffrey Mégou, s'il ne me trompe pas, top 6. En tout cas, les deux étaient en bas des playoffs. Ils sont passés de ça. Mais ils étaient qualifiés en playoff. Et malheureusement, les deux ont échoué ensuite. Deux se sont échoués en playoff. Ils n'ont pas pu atteindre les quarts de finale. Ce sont en tout cas deux joueurs qui, sur le papier, ont le même niveau. Et peut-être que plus que jamais, on se rendra compte de l'importance dans le 2 contre 2, de la collaboration, de justement ce côté très collectif. Il va falloir trouver un terrain d'entente entre les deux joueurs à chaque fois. Et c'est sûrement sur les joueurs pros des clubs respectifs qui sont Yannes Vanek et Mamadou Sall, Fall, excuse-moi, que justement ça va se jouer, je pense. Oui, ouais, c'est vrai qu'on le verra bien. Enfin, c'est vrai que des fois, même comme on l'a vu lors du premier match, Zach et Zombie, ils ont dit qu'ils n'ont jamais joué ensemble. Et au final, ils se sont très bien débrouillés. Ici, c'est peut-être exactement le même cas aussi, donc on verra un petit peu. Mais en tout cas, c'est chouette de voir quand même deux oppositions, on va dire, de style, quoi qu'il arrive. Parce que même si les joueurs du noyau A jouent certainement très bien à FIFA, qui passent beaucoup de temps à FIFA comme beaucoup de joueurs, et un joueur e-sportif, il n'y a quand même peut-être pas le même style de jeu. C'est vrai qu'on peut peut-être voir des choses un peu différentes, un peu surprenantes, des fois dans des attitudes ou autres. Avant les tactiques que les deux équipes vont tenter d'avoir pour cette confrontation, on le rappelle, aucune incidence, aucune influence sur le championnat de Belgique qui va arriver dans très très peu de temps également. Ça n'a pas encore de rapport. Ce sont vraiment des matchs amicaux, des matchs d'exhibition pour avant tout prendre du plaisir et également vous donner du plaisir devant votre écran. Un petit côté tactique peut-être, Xavier. Oui, on voit que du côté de Charleroi, ils vont jouer en 4-4-2, tandis que du côté des Zult, un peu plus prudent, 4-2-3-1, donc il y a quand même deux milieux défensifs. Et c'est vrai que normalement, on joue en 4-2-3-1 au début du match pour jauger un peu l'adversaire et pour essayer de ne pas prendre de goal. Si on en met un, on peut verrer le score. Du 4-4-2, c'est quand même un peu plus offensif. Normalement, on a plus d'opportunités sur les flancs. Donc voilà, je pense que Charleroi a envie de faire le jeu et Zult a envie de ne pas encaisser et de voir comment le match va se dérouler. Effectivement, alors on le rappelle, nous sommes en mode 90. Qui dit mode 90 dit statistique évidemment équilibrée. Tous les joueurs ont des statistiques qui sont liées à leur poste, à une seule exception évidemment, c'est la taille et le poids. La taille vient un petit peu en compte justement pour les duels aériens, mais pour le reste, il n'y a pas énormément de différence entre les deux clubs pour le coup. Donc ça va être peut-être même des joueurs que l'on voit pas spécialement, qui ont à base des statistiques peut-être un peu plus faibles, qu'on va faire monter parce qu'on a besoin d'un joueur à ce poste par exemple. Oui, voilà, typiquement. C'est vrai que la taille va être très importante, comme tu l'as dit. Donc c'est vrai que peut-être qu'on va dire un défenseur latéral de base qui est très grand, par exemple, qui fait 1m95 ou autre, mais qui est pas très rapide. Dans ce mode-là, justement, il va avoir une note de vitesse à 1,90, donc il va être plus jouable dans FIFA. Et vu qu'il est grand, on va le positionner, alors qu'en temps normal, on jouera peut-être pas avec. Et ça peut être la même chose pour différents postes. On avait aussi parlé en avant-match et avant de débuter cette série de matchs d'exhibition du fait que pas mal de joueurs pourraient éventuellement choisir de mettre des ailiers en BU et des BU en ailier. Pourquoi, Xavier ? Tout simplement, les ailiers, ils ont 92 de vitesse. Dans ce mode de jeu-là, ils sont tous à 92, tandis que les buteurs, ils sont à 86, donc c'est un petit peu moins. Donc c'est vrai que si on a des ailiers qui sont grands, ils iront un peu plus vite, donc pourquoi pas les replacer dans l'axe. Et pour les défenseurs latéraux, c'est exactement pareil. Ils ont 90 de vitesse, tandis que les défenseurs centraux sont bloqués à 77. Donc là, il y a une différence encore plus grande. Puis il y a quand même 13 points, c'est beaucoup. Et c'est vrai que peut-être pour contrer les attaquants rapides, c'est peut-être intéressant de mettre des défenseurs latéraux dans l'axe. Bien sûr,
très très intéressant en tout cas le match qui va arriver. Peut-être qu'on aura l'occasion de voir ce que tu viens de dire, même si je n'ai pas l'impression spécialement que ce soit le cas au vu des compositions. Il faudrait vérifier. Évidemment Zult décide de jouer Vanek, Yanis Vanek en MOC. Attention, hein, n'oublions pas qu'il y a deux joueurs qui ont comme nom de famille Vanek. Il s'agit bien de Yanis Vanek pour Zult Wargame. Le match qui va donc bientôt commencer, d'un échangement plus lié aux commandes, évidemment parce que il faut adapter aussi. C'est peut-être la première fois que Madoufal joue justement à Charleroi directement au stade, et donc il doit faire évidemment ces changements au niveau des manettes. C'est tout à fait normal. Et le match va pouvoir commencer. Golizadeh, je vois son nom dans la petite partie d'entraînement qu'on a avant. Je me rappelle que les années précédentes, qu'est-ce qu'on l'a cité Golizadeh en mode 85 durant la saison 2 de cette Proximus e-Pro League. On le rappelle, et c'est la dernière fois que je le rappellerai probablement jusqu'à la fin, match d'exhibition entre Charleroi et Zult, alors qu'on décide de refaire quelques changements. Je vais en profiter de mon côté pour faire une petite vérification, parce que comme je vous l'avais dit, j'avais un tout petit doute dans ma tête par rapport au classement exact dans la phase amateur. Oui, c'est ça, je me suis trompé effectivement, donc j'ai bien fait d'aller vérifier. Zult était bien 5e dans la phase amateur, mais Charleroi était 4e. Au final, les deux avaient 29 points, d'où le côté un peu hasardeux de ma proposition. Il n'empêche que ça sera autant équilibré que ceux qu'on avait prévus, Xavier. Oui, et puis on va voir ce que les deux équipes vont pouvoir nous proposer dans ce match. Mais je m'attends quand même à voir un match assez ouvert avec quelques buts à moi. Oui, moi aussi, tout à fait, sachant que, j'allais dire, ça allait être un match ouvert parce que les deux ont un jeu plutôt offensif, mais finalement, plus j'y pense, plus je me dis que Geoffrey Mégou a plus un style possession. Oui, il a un jeu très très défensif. Oui, c'est ça, donc je suis pas spécialement si sûr que ça au final. Flo, ça ne me fait pas trop de doute. C'est un joueur qui a tendance à aller très très vite, très rapide, très éclectique dans son jeu. On risque d'avoir un jeu beaucoup plus posé quand même du côté de Blake. Après, ça dépend aussi des deux joueurs supplémentaires. On le rappelle, Yanis Vanek et Mamadou Fall, qui vont avoir une grande, grande influence sur l'issue de match. Mais c'est vrai que ton style de jeu est complètement différent si tu joues tout seul ou à deux. Donc c'est vrai que normalement, de base, peut-être que Geoffrey, on le verrait peut-être un peu plus défensif. Peut-être juste 0-1, ça suffit la victoire. Tandis qu'ici, à deux, ça va peut-être être plus compliqué d'avoir cette attitude. Tout à fait, après n'oublions pas que nous sommes en match d'exhibition, donc peu importe la situation, je pense qu'ils vont essayer au moins de faire du bon jeu et de vous proposer quelque chose de relativement spectaculaire. Cette passe en retrait là, elle est bien réalisée, attention à ce tir sans souci, récupéré par Descan qui peut le relancer vers justement Golizadeh, KMB, Des Soleils. Beaucoup de noms qu'on avait tendance à beaucoup citer, notamment parce que Charleroi est ni plus ni moins que le tenant du titre de cette Proximus Pro League. Alors c'était par le biais de Matax, qui n'est plus un joueur de Charleroi actuellement, mais ça veut dire qu'on a souvent cité les noms de Charleroi jusqu'à la fin de la compétition, surtout que le joueur amateur de Charleroi, je viens de vous le dire, avait réussi à se qualifier en plus par rapport au play-off. Attention à ce centre qui arrive près du point de pénalty sans aucun souci, et on peut se redégager du côté de Srarfi maintenant. Avec Cory, bien vu cette profondeur, il y a pas mal d'espace, il y a même beaucoup d'espace, le tir, c'est bien arrêté, très très bien arrêté, et on avait besoin d'une mêlée action du côté du gardien, peut-être qu'un geste technique aurait été plus profitable. Je pense que c'est un simple râteau, et puis tu tires, je pense que c'est vachement plus efficace, et là, typiquement, on l'a vu, il tire, le gardien il va pas disparaître, et il tire en plein sur le gardien, le ballon ne sera pas vraiment rentré. Absolument. En tout cas, une profondeur qui avait été super bien réalisée, on s'est vraiment retrouvé esselé face au gardien. Charleroi au ballon maintenant, 15e minute de jeu, il n'y a pas vraiment eu de round d'observation. Ça part très très vite avec maintenant Golizadeh. Justement, on en parlait, la mauvaise passe malheureusement de Golizadeh, ça va être récupéré, joli dragback. On va se replacer et on va faire tourner du côté de Zult, avancer vers l'avant, profiter justement du fait que vu que Charleroi a tendance à jouer très vite vers l'avant, ça laisse des espaces comme celui-ci avec Massimo Bruno, Bruno toujours, Bruno pour Cory. Attention, on s'attendait à ce qu'un défenseur récupère ce ballon, mais finalement c'est dans les pieds d'un attaquant de Zult que s'est retrouvé le ballon. C'est un sauvetage un peu inattendu, on se demande comment il a été arrêté le gardien, heureusement pour Charleroi quand même, et ça reste 0-0. Attention, Bruno, encore une passe, elle est splendide, celle-ci, ce centre à terre, il est excellent. Justement, on s'attendait à un moment ou à un autre à ce que ça finisse par rentrer après un enchaînement d'actions très très franches du côté de Zult. Eh bien, voici une preuve avec ce joli tir, mais c'est plutôt la passe qui est à féliciter. Ouais, c'est vrai que les centres appuyés sur FIFA 21, ça fonctionne pas mal, comme d'autres gestes, mais c'est vrai que les centres appuyés, ça fonctionne vraiment bien. Et on l'a vu, il a un petit peu forcé dessus, on en a vu 2-3 d'affilée, et au final, au bout d'un moment, ça rentre.
selon moi, après là ça reste plutôt subjectif, je rentre dans une analyse et je ne suis pas aussi bon en analyse que mon coéquipier Xavier Easy, mais de manière générale j'ai quand même l'impression que c'est un peu le FIFA des passes appuyées tout court, que ce soit les passes en profondeur puissantes vers l'avant, les centres appuyés. De manière générale on a toujours des passes très puissantes et qui en général provoquent le danger, contrairement aux passes courtes qui sont un peu plus délaissées. Bah, y a un petit peu plus d'inertie autour des joueurs. Et justement, quand tu fais une passe appuyée, ça permet d'accélérer le jeu directement. Et t'as les défenseurs qui n'ont pas forcément le temps de réagir. C'est peut-être ça aussi qui fait que cette année, ça fonctionne bien. Tout à fait. Rappelons que le gros problème des défenseurs centraux, justement, dans ce mode de Nantes, c'est qu'ils ne sont pas spécialement très rapides. Attention à ce tir, encore une fois dangereux, cet effectif de Zulte Waregem. On sent une très très bonne collaboration, justement, entre Vanek et Megou, entre Geoffrey Megou et Yanis Vanek. C'est vraiment très très bon pour l'instant de ce côté. Il va falloir se réveiller du côté Carolo si on veut encore espérer au moins revenir au score. Ouais, parce que là pour moi c'est que 0-1, mais pour le même prix je pense qu'on aurait pu être 0-3. Puis il y a quand même deux très très grandes occasions du côté d'Isult. Heureusement pour Charleroi, j'espère qu'ils vont pouvoir nous montrer autre chose et se créer quelques occasions pour au moins revenir au score. Les doubles passements de jambes, on fait une passe en retrait, attention, c'est bien Flo qui est actuellement au ballon. Le petit râteau, on conserve bien face à la défense plutôt solide quand même de Sul, parce qu'il ne faut pas oublier que si on arrive à se créer autant d'occasions, c'est parce que la balle n'arrive jamais vraiment en danger. Il suffit que je le dise, il suffit que je le dise pour qu'on finisse par marquer du côté de Charleroi. Une action, un but, c'est aussi simple que ça, ouais. Du côté de Carolo, l'efficacité à l'état pur. Oui, tout à fait. Et qui d'autre que Golizade, dont on parle depuis le début du match, pour aller inscrire ce sur but sur une passe de Mamadou Doufal. Eh bien évidemment. Évidemment, d'ailleurs on les a vus un petit peu rigoler sur ce fait, je pense, à la fin de ce but. 1-1. Finalement le match est un petit peu relancé, peut-être que ça va permettre de donner un certain regain de confiance à Charleroi, à Mamadou Fall et à Florian Madridistar. Ouais, surtout que là Charleroi n'aura pas vraiment besoin de prendre trop de risques non plus pour revenir au score, même si ça reste un match d'exhibition, on est quand même là pour prendre du plaisir, mais c'est toujours mieux de faire un résultat correct. Absolument. Attention, ce joli râteau, le double passement de jambes, on va chercher dans l'axe et le tir. Mais quel travail du gardien, quel travail de Charleroi défensivement, parce que c'est peut-être l'homme du match, le gardien. C'est pour l'instant, en tout cas, l'homme du match, c'est une certitude. Nicholson, la récupération de Sissako maintenant, après un joli tacle. Sissako, triple passement de jambes, on va chercher Corey maintenant. Vanek, justement, peut-être que après la passe de Mamadou Fall, on peut avoir une passe de Vanek. Ça a l'air d'être bien parti. Le ball roll, attention, et ce tir enroulé qui se heurte à un tacle glissé très bien réalisé du côté de Charleroi. Mais ce sera de courte durée. Après une récupération cette fois-ci d'Oparé sur la droite, qui prend de vitesse un peu tous ses opposants. On va chercher Bruno, bien vu, très bien réalisé. Encore une fois, double passement de jambes, vraiment, c'est très très fort, hein, les passements de jambes sur ce FIFA. Ouais. Même s'ils ont été un petit peu diminués récemment avec une des mises à jour, mais ça reste quand même très très fort. En tout cas, le réflexe y est, hein, pour ces joueurs. À un point même que là, on sent parfois une petite différence pour la petite histoire. Celui dont vous voyez le nom, wow, ça c'est un tacle glissé. Celui dont vous voyez le nom Flo Madagnista, c'est Florian Van Damme, le joueur de Charleroi e-sportif. Et Mamadou Fall joue avec comme pseudo, je pense, le Dark Chips. C'est ça, je pense. Mamadou Fall joue avec ce pseudo, donc voilà, si vous voulez un peu comparer. Là, on voit une petite différence quand même, on sent que Florian est un petit peu meilleur. Autant du côté de Zult, j'ai l'impression qu'il a un très 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 bon niveau, Vanek. Bah ouais, c'est vrai que du côté de Zult, on voit peut-être un peu moins la différence. Après, du côté de Charleroi, Mamadou Fall joue très bien aussi, c'est juste que le style de jeu est différent, surtout ça. Tout à fait. Attention, on va aller chercher les... Attention, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espace pour Ezaï. Golizade toujours, et non, attention, c'est bien récupéré par Zult, et encore que là, la petite passe en profondeur qui n'a fait que 4 cm, c'était un petit peu dangereux. Sans souci, finalement, fin de la première mi-temps, ton verdict pour l'instant, Xavier? Ben, c'est vrai qu'au début de la première mi-temps, on a vu beaucoup d'occasions du côté de Zult, mais après, au fil que le match avançait, ben, c'est un peu équilibré, et au final, je ne vais pas dire que score logique à la mi-temps, parce que Zult a eu beaucoup d'occasions, bien sûr, mais c'est quand même un score voilà, pas trop non plus ahurissant, et... Ça reste quand même plus ou moins. Bon, c'est vrai, quand on voit ici 7 tirs à 4. Oui, c'est plus cette stat-là, voilà. Hein, parce qu'on a vraiment eu une seule occasion de Charleroi qu'on a converti. Et en face, j'ai quand même l'impression qu'on méritait au moins d'en mettre 2, si pas 3. Voilà, mais ça, mais qu'on a eu un gardien, quoi. C'est plus petit à petit que le match avançait. On voyait quand même que Charleroi revenait un petit peu dans le match. Et au final, heureusement pour eux, c'est 1 à la mi-temps. Mais c'est vrai que ça aurait peut-être un score peut-être un peu plus sévère. Pour l'instant, on peut résumer par le fait que Charleroi est un petit peu sauvé par Descamps, mais que de manière générale, on sent une petite remontée. Voilà, c'est ça. Donc on va voir s'ils peuvent continuer pareil en deuxième mi-temps ou pas. Ok. Allez, attention, on est reparti du côté de Zult avec Bruno.
Bruno, Sissako, Ivomed, Vanek, justement, Sec, on fait tourner, malheureusement cette fois-ci, c'est peut-être la passe de trop dans ce petit espace. Deuxième passe, cette fois-ci c'est réussi, la profondeur pour Rezaï peut-être, Rezaï encore, Rezaï, ah non, dommage. On aurait pu tenter peut-être une enroulée. Trop collectif, tout à fait. C'est peut-être lié au vrai football, encore une fois, on a vraiment envie de servir ses coéquipiers. Une belle mentalité tout de même, attention à cette reprise avec Bruno, le tir de Bruno qui vient effleurer le poteau. Ah, c'était dangereux cette action. On n'est pas passé loin du 2-1. On s'attendait même à plutôt une passe en retrait, on est vraiment dans des positions comme ça, on s'attend souvent à une passe en retrait, ça n'a pas été le cas. Après justement, elle a peut-être pas voulu faire un passe en retrait parce que c'était peut-être trop téléphoné. Mm-hmm. Il a essayé, mais au final il manquait pas grand chose pour que ça rentre tout de même. Attention. On va chercher. Ah, dommage. Sec, Scarfi toujours. On vient chercher Corey maintenant. Double passement de jambe. On a vu la profondeur. Elle est bien réalisée. Peut-être pour le but de Valek. Et non. Non, c'est récupéré par le gardien. On aurait même pu sortir un petit peu plus tôt parce que j'avais encore l'impression qu'on pouvait la mettre du côté de Vanik. Directement, on a une occasion de l'autre côté pour Charleroi. Donc peut-être. Ouais, avec cette magnifique passe de Manouval. 2-1. Totalement à contre-courant différentes actions qu'on a pu commenter récemment. Voilà. C'est encore une fois Charleroi qui crée la surprise. On ne peut citer en fait qu'un seul mot pour l'instant, c'est efficacité. Ça va, le souci c'est comme souvent dans le foot, tu rates beaucoup d'occasions et au bout d'un moment tu te fais punir. Et là c'est typiquement la même chose. On voit Zult qui rate et au final Charleroi une occasion un goal et puis encore en deuxième temps pareil une occasion un goal. Et deux fois c'est Fall qui gère très très bien le coup avec lui. Il maîtrise bien son joueur, je crois. Ah ouais, non mais je pense que vraiment, c'est peut-être le meilleur joueur de phase de l'univers. Ça paraît tout à fait cohérent. Et c'est pas encore terminé, évidemment. Il reste 30 minutes de jeu. Pour la petite histoire, ça équivaut à peu près, disons, 4 minutes dans la vie réelle. Donc c'est encore relativement large pour remonter au score du côté de Zulte Wargame. Attention, c'est dans l'autre sens pour l'instant. Qu'il y a du danger, Rezaï qui a failli encore une fois créer la surprise alors que pendant ce temps-là on voit une statistique des tirs avec un tir pour Rezaï face à 6 pour Cory. Première occasion manquée pour Charleroi. Oui, c'est vrai. Les stats ne trompent pas, Xavier. Ouais. Tout à fait. Si ça continuait comme ça, ils seraient vraiment restés sur 100% d'efficacité, mais malheureusement ce n'est plus le cas, quoique ce n'est quand même pas passé loin du cadre. Fall, justement. Quadruple passement de jambes. Là, c'est plutôt Florian qui s'amuse là actuellement. Avec Fall toujours, Johnny Manfès râteau, on tente de prendre de vitesse la défense de Zult, mais sans succès. On va aller rechercher peut-être de l'autre côté maintenant avec Zult, mais ça c'est un joli tacle. C'est un joli tacle de Nicholson qui peut-être se lancer, le râteau, on change plusieurs fois de trajectoire pour feinter son adversaire. On enchaîne des boulons, mais il n'y a vraiment aucune opportunité qui est laissée par la défense adverse pour chercher une profondeur. Par contre on ne perd pas du tout le ballon du côté de Flo qui se jouait presque de ses adversaires. Ouais, on voit de moins en moins Zult dans ce match. Hein. Peut-être le mental également, on a pris un coup après avoir dominé la première mi-temps, en tout cas au niveau des tirs et des statistiques, et se dire que là d'un coup on se fait rattraper par une équipe qui semblait un peu plus en danger, en difficulté, ça doit faire mal au mental. Oui, ça doit faire mal au mental, et puis après voilà, ils ont peut-être pas, c'est peut-être pas dans leur nature de faire vraiment le jeu et d'aller chercher l'adversaire. C'est vrai qu'au début ils menaient 1-0 très rapidement, donc après ils pouvaient attendre un petit peu, et voilà, quoi qu'il arrive... La gestion du match c'est différente, il faut voir s'ils vont réussir à réagir. On a augmenté la profondeur du côté de Zult. Je ne sais pas si c'était directement pour le premier format, donc pour l'équilibrer, ou alors quand on passera en offensive, j'ai pas eu le temps de voir, mais en tout cas on a augmenté une profondeur. Et on a également augmenté le nombre de joueurs dans la surface sur les phases type centre. Quel style de jeu offensif, on est passé en long ballon, le déquilibré, donc ça va certainement jouer plus direct. Oui, tout à fait, peut-être qu'on a trouvé une sorte de, peut-être pas de point faible, mais en tout cas de faille dans l'équipe adverse et qu'on a envie d'en profiter du côté de Geoffrey Megou et Yannis Vanek. Attention, Srarfi toujours, on a vu la profondeur dans l'axe évidemment, elle était téléphonée mais elle est quand même vachement belle cette profondeur et finalement, oula, on a eu une petite chute du côté Carolo, pas de faute signalée par l'arbitre. Et là malheureusement cette passe elle est encore plus téléphonée, attention à mieux se dégager du côté de Charleroi, ça peut se payer cash, il y a beaucoup trop d'espace et c'est le but. C'est un but immédiat, il y avait un boulevard qui s'est créé dans la surface, une erreur défensive colossale, mais qui profite évidemment à Zult Wargame. On le sentait venir, on a vu un ou deux petits contres et tout ça, que le bloc équipe Charleroi est en train de s'écarter un petit peu, et personnellement j'ai pas voulu les interrompre, mais je sentais vraiment venir le 2-2 et au final ça s'est...
montrer que c'était vrai. Tout à fait. 2-2, toujours donc dans ce match maintenant, grâce à ce nouveau but proposé par Zulte Waregem, qui peut peut-être maintenant reprendre cette confiance dont on parlait précédemment, qui allait peut-être avoir un déclic négatif. Peut-être que cette fois-ci ce sera un déclic positif avec justement Corey qui a vu cette profondeur et heureusement contacte très bien du côté de Florian Madridista, de Florian Madame, parce que sinon pour le même prix on avait une autre occasion. Franche attention à bien se dégager cette fois-ci du côté de Charleroi, ne pas refaire la même erreur qu'on avait vu auparavant, et cette fois-ci c'est parfait. Joli jeu en triangle entre ces trois joueurs là maintenant, avec ni plus ni moins que Mamadou Fall dans le jeu. Oh, le tacle, en quelle feinte, d'où le passement de jambe, le passe en retrait. Non, dommage qu'elle ne soit un petit peu imprécise. Il manquait pas grand chose, hein. Vraiment juste derrière l'homme, et le souci c'est que c'est compliqué pour reprendre le ballon dans cette position. Hors jeu signalé par l'arbitre, dommage. On avait joliment joué avec cette interception Carolo. Et on va maintenant rechercher Dompé. Attention, c'est bien bloqué, parce que sinon il y avait une aile qui était totalement libre pour laisser jouer le jeu de Zult. 81ème minute, est-ce que tu penses qu'on aura encore un but, Xavier? J'aimerais bien, mais je pense que ça risque d'être... Si il y a un but, c'est un peu sur une action un peu surprise, mais je pense que ça risque de rester 2-2. Attention, Sissako, peut-être pour te faire démentir, avec Srarfi qui a l'air de passer pas mal de monde. Encore une fois, on déborde sur l'aile, on sent le second poteau. La finition synchronisée rouge. Ça, c'est vraiment la situation qui est souvent la plus dommage. C'est vraiment beaucoup dommage. Évidemment, ça, on ne vous l'a pas dit, s'il y a match nul, c'est terminé. Ce sera clôturé sur un match nul. Il n'y a pas de prolongation. Attention à cette tête, encore une fois très dangereuse. Ce n'est pas la première fois que Charleroi est dangereux sur une tête. Ça vous rappelle peut-être le deuxième but qui a été inscrit par cette équipe. Ce centre, enfin plutôt ce dégagement après le coup de pied de but. Sec toujours qui prend un petit peu d'espace. Le râteau de Bock, Dompé. 87ème minute, si on veut faire quelque chose, c'est maintenant. Et c'est du côté adverse finalement que le danger peut se créer avec une contre-attaque. Oh, quel tacle! Quel tacle sublime, un tacle debout, presque glissé d'ailleurs, qui a vraiment été déstabilisé l'adversaire. C'est un 1 contre 2 maintenant. Curry qui doit faire le taf, il a déjà fait beaucoup avec ses 7 tirs, mais malheureusement très peu de réussite pour ce joueur pour l'instant. Attention, on avance beaucoup. On avance même énormément avec ce tir de nouveau dans le rectangle. 3-2. La remontée de Zult à 2 minutes de la fin du temps réglementaire, Xavier. Ouais, ça risque d'être très très compliqué pour Charleroi pour revenir. Il reste tellement peu de temps. Mais voilà, je pense qu'au vu de l'ensemble du match, c'est peut-être quand même mérité ce troisième but. Absolument, attention, parce que du coup, lorsqu'on va à l'encontre des statistiques, des analyses de Xavier, il se passe toujours quelque chose en fin de match. Peut-être qu'on aura la balle de 3-3 sur cet engagement, mais non, ça a été extrêmement bien géré du côté de Zult. Aucun souci, c'est de la masterclass, très bien réalisé, et ça s'est joué de si peu, Xavier, oui. De si peu. Il manquait vraiment pas grand-chose. Bien vu, en tout cas, aux deux équipes. Victoire donc de Zult face à Charleroi, mais au bout d'un match, encore une fois, on n'aura eu que des matchs palpitants. Après un premier match vraiment tactique, très intéressant, analysé stratégiquement, on a eu un deuxième match avec une flopée de buts, un troisième match avec une remontada sortie de nulle part. Moi, vraiment, c'est le genre de match qu'on voudrait avoir pendant toute la saison. Ouais, puis c'est un match vraiment fort ouvert, plaisant à commenter, plaisant à regarder, avec des occasions des deux côtés. Donc c'est vrai que c'est le genre de match toujours agréable. Absolument, et on va pas tarder à passer donc aux interviews des deux équipes, évidemment avec d'abord Charleroi et ensuite on passera à Zult Waregem. Donc on va commencer par Charleroi. Vous allez beginner mettre Charleroi vos deux interviews, vous allez beginner mettre Charleroi. On va commencer par Charleroi, je répète parce qu'ils ne nous entendaient pas au début. Donc évidemment, ça doit être une petite déception de se prendre un troisième but à la toute fin du match pour vous deux. Mais on a vu quand même du très très beau jeu, notamment eh bien Mamadou Fall qui, dans le jeu, très était difficile. Extraordinaire, décisif. Est-ce que du coup, tu te sens particulièrement bien avec ça, Mamadou? Ah mais ça fait plaisir. Pour moi, c'est la première fois que j'ai vu ça entre deux. Souvent, je joue par un contre un. Mais oui. Bon, ça fait un plaisir, c'est la première fois que je joue ça. Les effets de racisme, pour moi, c'était pas mal.
Parfait, merci en tout cas pour ce petit côté et quand même bravo d'avoir bien joué le coup et d'avoir été si proche de chercher le nul. Donc, Zultimer Game, ich habe une kleine Frage pour Jens Van Am, Van Eyck, sorry. Cette Frage ist, denkst du, dass Geoffrey de erste Platz in de Proximity Pro League kann halen? Dank je wel. Van alles wat ik hier heb gezien, dank ik wel. Maar ik heb wel totaal geen idee van de tegenstand, hoe dat die zijn. Dat weet ik niet. Maar ik heb wel gezien dat Joffrey naar wel kan. Dus misschien wel. En jullie hadden een vrij goede collaboratie. Ben je, zijn jullie le. Que Luc vend des collaborations pour des tués versus tués? Okay, I will try in English. Do you feel happy about the collaboration between the two players, between Geoffrey and you, Jens Van Eyck? Are you happy to play with such a player as Geoffrey? Okay, perfect. Thanks, Dan Curel, pour des interviews. Petit résumé, évidemment, il croit en les chances. J'ai posé donc la question, est-ce qu'il croit en les chances de Geoffrey Mégou à gagner la Proximus e-Pro League? Il a dit évidemment qu'il en est capable. Un petit soutien du côté de Zult. Et j'ai parlé rapidement de la collaboration entre les deux joueurs. Est-ce que ça s'est bien passé? Et de manière générale, qu'est-ce que ça lui fait de jouer avec un joueur de quand même de ce niveau qu'est Geoffrey Mégou? Et même chose, très content d'avoir pu participer avec lui à ce match en 2 contre 2, plutôt content aussi de la prestation. Évidemment, c'est 3 buts à 2, c'est tout à fait normal d'être content. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'ils ont gagné, ils ont été fait la victoire pour Zult. C'est un beau match d'exhibition, et franchement, c'était agréable à commenter, à voir. Absolument, c'était très très chouette ces 3 matchs d'exhibition que j'ai pu partager avec toi, Xavier. Merci d'ailleurs, Xavier, d'avoir été à Nice pour ces 3 petits matchs. Ouais, avec plaisir. Et puis de toute façon, on n'oublie pas qu'on va se retrouver certainement le 16 décembre à partir de midi sur Eleven. Exactement. Pour le vrai début de cette Proximus e-Pro League. Et on vous attend en pleine forme parce que les matchs vont être extraordinaires. Cette fois-ci, ce sera du 1 contre 1. Tous les clubs de Pro League seront représentés par un joueur. Et là, vous pourrez venir supporter votre club favori. Nous, on a hâte. Je ne sais pas toi, Xavier, mais ça va être extraordinaire. Merci à tous de nous avoir suivis sur Eleven Sport pour cette petite avant-goût de la compétition de cette Proximus e-Pro League. On espère vous revoir en pleine forme. Et surtout, portez-vous bien. Faites attention à cette chose qui s'appelle le coronavirus. We'll be right back.